Ok les potes, nouvelle vidéo différente de Fortnite, un petit peu, même s'il y a un lien avec Fortnite, puisque je vous rappelle que Rocket League est racheté par Fortnite, donc Epic Games pour être exact, et du coup, on peut du coup jouer gratuitement PC, PS4, Xbox, donc c'est plutôt assez sympa. J'ai jamais joué à ce jeu là, je vais découvrir ensemble, personnellement moi j'ai jamais joué, donc ça va être une grande première. On a des récompenses si on joue à ce jeu et qu'on fait des défis sur Fortnite, on a du coup des récompenses... des cadeaux, des revêtements, des petits trucs sympathiques. Et si on joue à Rocket League, on a des récompenses de Fortnite sur Rocket League. Bref, vous avez capté. Du coup, on peut choisir plusieurs véhicules. Apparemment, on n'a jamais joué, donc je vais regarder ensemble. On a avancé cette voiture-là. Ok, elle est pas trop mal. On a cette voiture-là que j'aime bien. Celle-là, on dirait un 4x4. On n'a que 3 voitures. D'accord, vous pouvez changer d'avis plus tard. Il suffit juste de faire un saut dans le garage. Choisir un nouveau bolide. Je sais pas ce qui est mieux. Je prends celle-là. Elle me plaît bien celle-là. Donc je pense qu'il faut faire un entraînement au début. Car je n'ai jamais joué à ce jeu-là. Et du coup, on va faire un petit peu. En ce moment, ça ne bug pas beaucoup. Car je n'ai jamais joué à ce jeu-là. Appuie sur n'importe quelle touche. Ok. Ouais, j'ai jamais joué, les gars. Oh, attendez. C'est quoi le but du jeu? On va mettre à part. Ça ressemble comme... C'est vraiment comme du foot? J'ai jamais joué, je sais pas du tout. Je sais pas ce qu'il faut que je fasse, mais. Ok. Bah, je pense que ceux qui sont avec moi allaient connaître le jeu. Voilà. Wow. Ok, alors. Ok. J'ai jamais joué à ce jeu, les gars. Donc, j'avoue, je ne sais pas du tout. C'est des pouvoirs particuliers ou genre de conneries. Ça devrait être pas trop difficile à jouer. Hein. Je sais pas s'il y a des boutons spéciaux. Vous avez des capacités, alors on va des trucs par terre là. J'imagine qu'il y a des capacités. Ça n'a pas l'air trop difficile en vrai. Pour l'instant, du moins. Il reste une minute. Ah, on peut sauter, ok. J'apprends des trucs, les gars. Hein. J'avoue, je connais pas tous les touches. Je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Mais. Le ballon, il a l'air tonnerre en vrai. On a vraiment un public. Voilà. Est-ce qu'il y a un bouton pour aller plus vite ou un truc du genre? Oh, on peut aller vachement haut. C'est trop bien. Bah, je m'amuse en vrai, les gars, là. Je connais pas les pouvoirs des... Je sais pas, est-ce qu'il y a des pouvoirs, les gars, pour ceux qui connaissent ce jeu-là? Je ne connais pas. Pour l'instant, notre équipe a pas l'air nulle, donc ça va. J'ai de la chance, mon équipe, elle a pas l'air nulle. J'ai... Ouais, c'est moi qui ai marqué. C'est mon premier but, les gars. C'est mon premier but. J'avoue que j'ai vraiment eu de la chance. Je crois que j'ai de la chance, hein. C'est trop de la chance parce qu'en vrai je ne connais pas du tout ce jeu. Et alors. Gagnant c'est nous. Yes. Ok. Il y a vraiment un mec qui va être plus garde dans mon équipe. Ok. Ok, ok. Donc c'est ma première partie que je gagne. J'espère que vous n'avez pas eu trop de bugs dans la vidéo. Donc félicitations, vous avez terminé votre première partie. Votre compost se trouve dans l'inventaire de votre garage. Nouveau défi de pilote et bucket. Terminez toutes les gains. Tous les. Terminez-les pour gagner les XP ou des objets, ok. Donc, on va regarder ça ensemble. Donc là, c'est, on pourra personnaliser la voiture apparemment. Donc on appuie sur... ok. Nouveau défi, soyez-vous, servez-vous à la hauteur. Ok. Donc là, c'est les défis. Défi de Conquister, le défi de... Ok, il y a plein de défis là-haut. Et ça, c'est les défis de Fortnite qui m'intéressent. Il y en a 9. Vous avez 12 jours et 17 heures, enfin du moins pour moi,
pour les faire. Donc voilà, je vous montre les défis, les gars. Alors, c'est sûr qu'il y a la musique. Est-ce qu'on peut baisser la musique ou pas? On peut baisser la musique ou pas? Apparemment, non. Je voulais baisser la musique, mais on peut pas. Bref, c'est pas grave. Défi, du coup, d'événement. Jouer une partie en ligne dans n'importe quelle liste de lecture, ok? Nous avons également... Donc ça, c'est la récompense qu'on a, d'accord? C'est la petite drapeau lama. Réussir 5 buts, j'en ai fait un tout à l'heure en plus. Moi, je ne l'ai pas compté. Pour du coup, débloquer ce revêtement, ok? Réussir donc 5 chapeaux avec le chapeau lama. Donc l'accessoire chapeau lama. On verra bien. Être élu meilleur joueur de n'importe quelle partie en ligne avec des roues là, ok? Ok. On a également gagné 5 parties en ligne dans n'importe quelle liste de lecture. Ah, c'est stylé. Ok. Réussir 20 buts ou arrêt dans des parties en ligne dans n'importe quelle liste de lecture. Jouer 10 parties en ligne. Donc, ça c'est plutôt facile pour gagner l'XP. Jouer 3 parties en ligne dans n'importe quelle liste de lecture en mode extra. D'accord. On a également ce défi là gagné 5 parties en ligne dans n'importe quelle liste de lecture avec le sticker OTAM. OTAM, ok. Ça c'est les récompenses extra. Et ça c'est gagner une partie en ligne pour avoir l'accessoire lama. Je trouve ça stylé. Celui-là j'ai hâte de le débloquer en vrai. Le drapeau lama il est trop stylé, regardez-moi ça. Ok, là ça c'est les défis où, du coup pour débloquer, pour avoir les trucs de lama, les défis d'événements. C'est plutôt sympathique, franchement. Je valide les gars. Du coup voilà, donc je vais vous montrer là c'est l'objet de la boutique, les get pass, le garage, voilà. C'est ça qui m'intéresse, c'est de pouvoir du coup personnaliser notre voiture. Donc on a plusieurs choix. On a celui-ci, celui-là et celui-là. Ok. Moi j'ai pris celui-ci. Ensuite on va choisir quoi? On peut choisir les bancs. Ah ouais. Ah j'aime bien celle-là. Ok. Ça c'est les peintures qu'on choisit. Ok. J'ai une préférence pour la tête de mort là-haut là. Ouais, le crâne là. J'aime bien. Hop. Ensuite, alors, couleur. Pour ceux qui me connaissent, j'adore le vert. Donc forcément, ça va être du vert. Mais peut-être qu'un vert kaki. Un peu militaire ou un vert plus clair. Au vert kaki militaire. J'adore. Avec du coup, une sorte de couleur un peu comme ça. J'aime bien. Ça, c'est quand on équipe orange. Ah ouais, d'accord, tu peux choisir. Quand tu es une équipe orange, tu mets ça. Et quand tu es une équipe bleue, tu as d'autres couleurs. Ok, ok, je viens de capter le truc. C'est-à-dire l'équipe bleue. On va mettre quelle couleur la voiture. On va mettre une couleur comme ça. Avec un jaune un peu plus comme ça, tu vois. Ah, ça fait stylé. Ok, donc on peut choisir vraiment deux couleurs de voiture. Ça reste correct. Les roues, on peut choisir les roues aussi apparemment. Ok. Donc celles-là, elles sont plutôt simples. On va prendre ceux-là. Ils sont marrants, ceux-là, non? Je trouve pas qu'ils sont drôles, ceux-là. Enfin, je sais pas si ça fait bien, non? Ou alors, je garde celle-ci. Ah, donc ces roues-là, apparemment, tu peux voir les choses que t'as pas courues. Ok, bah on va voir. Hein. Oh... Rayon solaire, temps passé en turbo, une fois équipé cet objet, vous pouvez me permettre de suivre le temps passé à utiliser sur un turbo. Temps passé, ok, il faut équiper vos objets, ok. J'aime bien celui-là, donc je laisse celui-ci. Ça c'est... Je l'ai pas encore pour l'instant. Ok, ça c'est quoi? Ah, c'est les drapeaux! Donc, le communauté c'est quoi? Ok, donc ça c'est le drapeau de Cricket League. Ça c'est par rapport au drapeau de des pays, etc. Bon, ok. Il y a du choix en pays, je pense qu'il va y avoir tous les pays à mon avis. On va pas tout les regarder, mais voilà. Ok. Ça c'est quoi? Ah oui, ce petit drapeau symbole. Il y a quand même du choix, les gars. On va pas tout regarder, mais. Ouais, il y a quand même du choix, voilà. Selon ce que vous préférez, ok. Ça c'est quoi? Ah, il n'y a pas encore. Et celui-là, c'est... Ouais, ouais. Je vais mettre celui-là, les gars. Ça va pas aller avec le style, mais je m'en fiche. Ça, c'est quoi? Ok, on va regarder. Ça, c'est du coup la traînée.
Bah vu que en vrai là, elle est stylée celle-là, mais ça fait plus mieux si je mets celle-ci, non? Avec la couleur de ma voiture, voilà. Et ça, c'est du coup, c'est quoi? Ah, le bruit du moteur! Ah, on dirait du bruit d'une moto, les gars. Ok. J'aime préférer pour celui-là. Là, on dirait un camion. On va prendre celle-ci. Voilà, voilà. Ça me paraît pas mal. Je sais pas si le drapeau... En vrai, le drapeau, il fait bizarre, non? Le drapeau, j'aime bien, mais il fait bizarre, non? Sur ma voiture. On va mettre... En vrai... Non, j'aime bien le drapeau, mais il fait bizarre sur ma voiture. Ça va pas que le style de la voiture. Je sais pas ce que je pourrais mettre, les gars. Je sais pas. Oh, ça, attendez. Je vais mettre ça, non? Ça le fait, hein? Je sais pas ce que vous en pensez. Oh! J'aime mieux ça. Ça fait peut-être de mort un peu, mais façon chat. Ouais, on va mettre celui-là. Ouais, ça fait moins bizarre. Ok! Voilà ma nouvelle voiture, les potes. Donc, franchement, en vrai, je l'aime bien, moi. Alors, ça, c'est les voitures, je vous rappelle. On peut customiser autant qu'on veut. Ok. Du coup. Alors. On peut modifier ou pas les trucs en bas. Je sais pas comment on modifie par contre les... Voilà. Du coup les petits potes... Ah, c'est vrai qu'il y a nos amis. Eh bien, je vous laisse. Je sais pas si Léa m'entend ou pas. Mais je vous dis du coup à tout à l'heure pour la suite. Quand je débloquerai la récompense, etc. Je ferai en vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit abonnement les potes. Et puis le petit code créateur qui est juste en bas. Sur ce, bye bye. Ok les potes, je viens de débloquer du coup la petite traînée que j'avais dit qu'il aurait. Et plus la petite... Pour l'instant j'ai débloqué que ça, je viens de démarrer. C'est la première fois que je joue à Rocket League. Donc je viens juste de débloquer deux petites récompenses déjà pour l'instant. Il y aura les autres récompenses qui arriveront dès que ça finira toutes les récompenses. Mais déjà pour un début ça va. Donc le premier truc, c'est du coup le petit revêtement Rocket League. Voilà, bon, même si je l'utilise pas tellement, c'est pas grave. C'est un objet unique et très peu de gens vont l'avoir. Et ça, c'est la petite traînée du coup. Qu'on débloque, il y a des petits cubes. Voilà, c'est plutôt sympathique d'avoir ça en plus. Hein, en vrai, donc on aura normalement des sacs à dos, des revêtements aussi qu'on aura. Ça, c'est quand vous ferez vos défis. C'est pas trop difficile en fait, parce que moi, j'ai jamais joué à Rocket League, vraiment. C'est la première fois que je joue et ça va en vrai. Je trouve que je gère pas trop mal. Pour un début, Léa, elle est morte de rire. Pour un début, je trouve que ça va en vrai. C'est pas trop difficile. On gère. J'ai marqué des buts alors que je pensais pas que j'arriverais dans le début. Donc je trouve que ça va. On gère donc ça va. Du coup voilà, les petites récompenses les potes. Avant de commencer la vidéo de boutique qui est dans quelques minutes. Alors que je vous parle, je vous montre de près à quoi ressemblent du coup les petites traînées. Donc ça c'est la première. De près, comme ça vous verrez mieux. C'est des petits cubes et tout. C'est plutôt sympa. Ça va. En plus c'est assez unique puisque du coup là, c'est que ceux qui joueront à ce jeu qui relieront leur compte Epic Games. Pour ceux qui jouent sur PC, que vous allez demander comment avoir. Il faut relier votre compte Epic Games à Rocket League, d'accord. Sur console, c'est automatique apparemment, parce que vous n'avez pas de Epic Games puisque vous jouez sur console. Mais sur PC, vous devez relier votre compte Epic Games. En gros, vous allez écrire juste Fortnite et lier compte Epic Games. Ils vous donneront le petit lien à aller sur le truc de Rocket League. Et vous avez juste à cliquer sur le connecter. Et du coup, vu si vous êtes connecté déjà sur Epic Games avec votre PC, logiquement, il vous dira votre nom, vous dira que c'est bien vous. Vous avez juste à accepter et à suivre l'instruction. C'est plutôt assez facile, donc c'est en anglais, vous le mettez en haut le petit symbole planète. Ouais, c'est une sorte de planète pour le mettre en français si jamais vous comprenez pas l'anglais. C'est pas trop difficile à comprendre, je pense. Il n'y a pas grand chose, t'as juste à accepter, next. Tu fais juste ça, tu fais juste cliquer sur next à chaque fois. Donc t'as pas besoin de faire grand chose si ton pseudo est déjà connecté sur PC. Voilà, sur console, c'est automatique parce que il a ma vie. Puis je pense que Xbox va être pareil que les PS4 parce que j'ai demandé comme ça, moi, quand ça va lancer. Les consoles, vous, ça va, c'est automatique. Mais ceux qui sont sur PC, vous devez relier votre compte. Voilà. Si vous voulez avoir la petite récompense, comme moi, je viens de débloquer un instant.
Donc je vais mettre ça en favori. Voilà. Et du coup, on a également le petit tag, je vais montrer de près, vite fait, avant la boutique. Voilà, c'est la petite tag qui est plus sympa, en vrai. Enfin, c'est un petit tag rapport avec Rocket League, bien sûr. Et pour ceux qui jouent à Rocket League, vous avez des récompenses de Fortnite sur Rocket League. Mais ça, je vous l'avais déjà expliqué. Mais bon, vous avez capté, je pense. Fortnite, des récompenses sur Fortnite, qui du coup lie à Rocket League. Mais Rocket League, des récompenses de Fortnite. Vous avez capté ou je suis pas sûr que je... Enfin, bref, voilà. Et quand j'aurai les autres récompenses, je ferai à la suite la vidéo. Ça sortira quand j'aurai fini tous les défis. Donc ça peut pas être tout de suite. Alors je vous parle, je sais pas quand sortira la vidéo. Mais sûrement peut-être dans une semaine. Ça dépend le temps que j'aurai le temps de jouer à tout ça. On verra. Sur ce, eh bien voilà. Dites-moi en commentaire si vous avez essayé ce jeu. Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous validez? Est-ce que vous allez rejouer? Est-ce que vous achetez le pass de combat? Est-ce qu'il y a un pass de combat premium? J'ai vu à peu près les prix. C'est quasiment le même prix à peu près que Fortnite. Pour le même système, vous avez deux passes de combat. Le premier, du coup, vous pouvez l'acheter en commençant le level 1 comme sur Fortnite. Du coup, bien sûr, c'est pas des V-Bucks, ce sont des crédits, mais c'est la même chose, authentiquement, juste le mot qui change. Et vous avez du coup le deuxième passe de combat, vous avez 12 niveaux en plus, mais vous avez la même récompense que ceux qui achètent le premier passe de combat. C'est exactement le même système que sur Fortnite. Vous n'êtes pas dépaysé comme ça. Les prix sont à peu près similaires, pas grande différence, ça va. Je crois que c'est quasiment le même prix, à quelque chose près, pour le passe de combat. Voilà. Fortnite, c'est dans les. Bah, dans les 8 euros, ce matin c'est moins cher, peut-être un peu moins maintenant 7 euros. Du coup, sur Rocket League, c'est dans les 8 euros. Voilà, il n'y a pas grande différence de prix, les quelques centimes d'écart, c'est pas vraiment différent. Donc ça va, si vous aimez bien le jeu, bah achetez pas du combat. Si vous aimez bien, mais juste comme ça, bah achetez pas. Si vous avez quand même quelques petites récompenses gratuites, de toute façon, vous avez 90 niveaux apparemment. On a regardé avec Léa, donc on a joué tout à l'heure. On a joué quelques. Je sais même pas combien de temps qu'on a joué, on a joué peut-être 2 heures environ, et on a gagné quelques petites récompenses. Il y a des trucs que j'ai pas encore fait, parce qu'il y a des trucs qu'on doit faire solo, les entraînements, etc. Mais ça, je le ferai plus tard. Mais du coup, les games normales, vous faites plusieurs parties, etc. Enfin, vous avez vu juste avant, je vous ai montré, de toute façon. Et dès que j'aurai toutes les récompenses, je vais vous faire en vidéo. La suite, vous inquiétez pas, vous le verrez dans la vidéo, de toute façon. Alors, je vous parle, je sais pas quand elle sortira, comme je vous ai dit, donc on verra. Bref, sur ce, eh bien, je vous laisse pour la suite. Donc, dès que vous aurez la suite, vous verrez, de toute façon. Et voilà. Sur ce, bon visionnage. Ok les gars, on se retrouve du coup de nouveau sur Rocket League. Je viens de finir le dernier défi. Il faut, en fait, c'est plutôt simple à faire, mais les nags sont plus chauds parce que faut vraiment faire précisément un défi avec précisément un truc qu'on a débloqué. Bref, c'est assez long parce que c'est quand même plusieurs heures que je joue, mais ça va. C'est pas trop difficile. Je viens juste de débloquer la dernière récompense qui est du coup le plus de combats de Fortnite, bien sûr. Donc bien sûr, il est en couleur rouge, c'est normal, mais il va être en bleu, vous inquiétez pas. Voilà, c'est toutes les récompenses. Ça, c'est un défi. Ce défi-là, il est automatique. Ça, c'est ce défi. C'est genre comme un défi quotidien. Dès que vous faites 10 parties, hop, ça repart à 0. C'est pour monter votre niveau. Donc là, on compte pas vraiment. Mais je parle de tout cela. Donc là, franchement, je vous ai montré tout à l'heure, au début de ma vidéo, le défi. Et vous avez vu que j'ai tout fini à l'instant. Donc c'est pas trop difficile. Vous avez 12 jours et 10 heures pour ceux qui n'ont pas encore téléchargé. Il est gratuit. Profitez-en. Et c'est cadeau, que ce soit sur PC, Xbox ou PS4, c'est gratuit. N'oubliez pas de relier votre compte Epic Games à Fortnite, enfin, c'est n'importe quoi moi. Votre compte Epic Games, excusez-moi, à Rocket League. En vrai, le jeu n'est pas trop mal, j'avais jamais joué. Donc en vrai, bah, ça va. Franchement, pour un jeu que j'ai jamais joué, vous avez vu quand même que c'est... Si moi, j'ai jamais joué et je suis arrivé à faire ces défis, vous pouvez y arriver aussi, franchement. En vrai, c'est pour tout le monde, je pense. En vrai, vous avez... c'est comme si vous jouez au foot, mais en voiture. Ouais, c'est bizarre, je sais, mais voilà, c'est un jeu. Du coup, jouer des parties en ligne, etc. Je vous ai déjà montré les défis. En gros, à coup de débloquer, par exemple, le drapeau de lama, il y a des défis où vous devez faire avec le drapeau de lama. Là, quand vous débloquez celui-ci, vous avez du coup les fameux revêtements qui retient la voiture. Et là, vous pouvez faire ce défi-là, du coup. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire ce défi-là sans faire ce défi-là. Par exemple, là, le revêtement lama, dès que vous l'avez, vous faites plusieurs parties, vous devez gagner 5 parties pour débloquer les roues lama. D'accord? Comme ça, au moins, vous le savez. Et là, c'est celui-là que je vais débloquer. Il faut être le meilleur joueur de l'équipe. Et je vous dis pas que j'ai tryhard tout à l'heure. Hein. Comme jamais. Et franchement, il est stylé. Regardez-moi le bus de combat. Vous pouvez vraiment la mettre la couleur que vous voulez. Moi, j'ai mis le petit lama parce que voilà, c'est Fortnite. Bien sûr, on débloque le petit lama vraiment dans le début. Parce qu'il faut gagner une partie, n'importe quel mode. Donc vraiment, c'est facile à jouer. Vous devez mettre le petit drapeau que vous débloquez en jouant une partie. Ensuite, vous devez jouer avec le drapeau. Voilà, moi j'ai débloqué le petit drapeau tête de mort tout à l'heure. Franchement, c'est plutôt stylé. Bon, je vais vous montrer les gars, en vrai, la récompense. Ça, c'est ce qu'on peut faire tout le temps. J'en ai fait plein tout à l'heure. Dès que vous finissez ces défis-là,
Hop, il en remet d'autres. Vous pouvez monter votre niveau, pour débloquer plein, plein de récompenses. Comme vous pouvez voir, vous avez vu au début de la vidéo ce que j'avais comme voiture. Je n'avais pas beaucoup de choix. Maintenant, j'ai plein de choix de voiture. J'ai celle-ci que je viens de débloquer tout à l'heure. Là, celle-ci, je viens de débloquer. Voilà. C'est ma préférée, du coup, forcément. C'est le bus de combat. Vous pouvez vraiment l'améliorer en fonction de vos couleurs. Vous pouvez mettre la même couleur que le bus de combat de Fortnite. Je vous montre, par exemple, je vous montre. Hein. Hop, vous faites ça. Vous voyez? Vous pouvez vraiment changer la couleur. Brillant, métallisé, ce que vous voulez. Voilà. Hop. Et du coup, voilà. C'est le bus de Fortnite, les gars. C'est plutôt stylé. Mais franchement, j'ai hâte de l'essayer à quoi ça pourrait donner. Là, c'est la couleur principale. Et là, c'est la couleur skip bleu. Voilà, vous pouvez vraiment choisir la couleur. Soit vous voulez mettre du en mat, soit métal rouillé, soit en métal lisse. Enfin, vous faites comme vous voulez. Franchement, c'est facile. Voilà. Ensuite, il y a les roues aussi. Bon, là, c'est par rapport au bus que je viens de débloquer. Mais du coup, la voiture que j'ai. Il y a cette voiture-là. Il y a celle-ci que j'ai débloquée. Celle-ci, j'ai débloquée aussi. Qui est vraiment très, très stylée. J'ai pas encore essayé celle-là. Celle-ci, j'ai beaucoup joué avec. Il y a celle-là. Celle-là que j'avais tout à l'heure. Enfin, vous pouvez voir quand même. Il y a quand même du choix. Hein. Vous pouvez modifier autant que vous voulez les customs, etc. Vraiment, comme vous le souhaitez. Pareil pour les roues. Il y avait les roues lama, les roues machin. Ça, c'est vraiment les trucs que j'ai débloqués au fur et à mesure. Vraiment. Il y a vraiment du choix, les gars. Vous voyez bien? Il y a plutôt du choix. Ensuite, vous avez également ceci. Ça, c'est les traînées que vous pouvez débloquer, etc. Pour accélérer le turbo et tout. Moi, j'ai mis celle-ci. Ensuite, ça, c'est les lamas. Là, vous pouvez avoir cette récompense-là. Voilà. Ça, c'est les baliseuses que vous pouvez mettre. C'est ça que j'ai eu en cadeau. Je préfère celle-là, franchement. Après, vous avez les petits drapeaux. Là, c'est par rapport au ballon de Fortnite. La tête de mort que je viens de débloquer tout à l'heure. J'adore. Celle-ci, je peux débloquer. Celle-là, j'ai eu tout à l'heure. Bref, vous avez vraiment le choix. Vraiment. Et là, du coup, c'est du coup les occasions. Pour l'instant, j'ai que celui-ci. J'ai pas encore d'autres. Ça, c'est les petites traînées qu'on a. On accélère et tout. Et puis, ça, c'est le bruit des moteurs. Voilà. C'est plutôt sympa. Franchement, c'est plutôt sympa. Bref. Du coup, les types, dites-moi en commentaire. Est-ce que vous avez joué à ce mode, etc. Est-ce que vous avez validé? Est-ce que vous aimez bien, etc. Vous pouvez voir, les défis sont pas non plus difficiles. Parce que moi, si j'ai réussi à les faire, vous pouvez vraiment le faire. Ok, LM, les gars. Du coup, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Très important. Je vous ai dit tout à l'heure. Et je vais vous montrer, du coup, à la fin, qu'est-ce que j'ai comme récompense sur Fortnite. Parce que là, j'ai vraiment tout débloqué. On se retrouve, pour, du coup, pour la dernière partie. Où je vais montrer toutes les récompenses que je vais avoir. Finalement, la vidéo va sortir plus vite que prévu. Je pensais pas que j'allais mettre. J'allais faire vite les défis. Donc, je vous rappelle que j'ai commencé les défis le 29. Et vu que alors que j'ai commencé à jouer, on était quasiment presque le 30 d'ailleurs, septembre. Et la vidéo, bah, tant que je la pas. J'ai pas encore monté la vidéo. Je sais pas quand j'aurai le temps de la monter. Parce qu'elle va être assez grande. Elle va peut-être durer plus de 20 minutes. Parce que j'ai fait plusieurs passages entre Fortnite et Rocket League. J'ai fait un petit bout de gameplay aussi. Bon, c'était ma première gameplay. Donc, je l'ai pas, les gars. Je me suis amélioré hein, depuis la première game que j'ai joué. Je sais comment jouer maintenant à peu près. J'ai compris les fonctionnalités. Il y a plein de choses que je n'avais pas vues au début. Et donc voilà, j'apprends tout doucement. Je commence pas à être pro non plus. Je suis encore loin de là. Il y a des gens qui jouent depuis un moment. Ça se voit bien. Rien qu'à la voiture, qui sont customisés à fond. On pense bien que ceux-là, ils sont là depuis un moment. Mais voilà, je pense que ça devrait aller. Je pense, à un moment dit. Donc là, c'est une petite récompense qu'on débloque. Un coup qu'on a fait. Voilà. Franchement, on débloque des trucs. Soit la peinture. Là, j'ai débloqué cette peinture-là tout à l'heure. Là, je joue les parties. Du coup, dès que je joue les parties, je débloquerai ce véhicule-là. Plutôt sympathique, une sorte de 4x4 un peu. Celle-là, c'est celle que j'ai débloquée tout à l'heure, je vous les ai dit. Voilà. Du coup, celle-ci, il faut juste terminer l'entraînement. Donc, c'est vraiment très facile. Vous jouez les 10 entraînements, puis voilà. Que vous gagnez ou pas, c'est pas très grave. Vous voyez ce que je veux dire? Ces défis sont vraiment, vraiment simples. Ça, c'est les roues que j'ai gagnées tout à l'heure. Roues assez simples, voilà. Mais ça fait toujours plaisir. Et ça, c'est gagner deux parties tout à l'heure en ligne. C'est pour gagner, du coup, la petite tête de mort qui est juste là-haut, qui est assez drôle d'ailleurs. Voilà. Du coup, moi, je vous laisse, les petits potes. Et on se retrouve, du coup, pour la dernière partie où je vous montre les récompenses qu'on débloque sur Fallout Battle Royale. Peut-être que je mettrai mercredi en ligne ma vidéo si j'attends de la monter parce qu'elle est assez longue à monter. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de passages, de beaucoup de coupures, du coup, parce que comme passe de Fallout à Battle Royale, enfin, genre de Fallout à Rocket League, je veux dire. Donc, enfin, bref, vous avez capté. Et n'oubliez pas de me dire en commentaire, c'est très important. Si vous avez déjà joué à ce jeu-là,
ou si vous vous envisagez de jouer. Vous voyez bien que c'est pas difficile les défis. Si vous voulez, vous pouvez même jouer avec moi, si vous avez envie de jouer, parce que avec mon ex, bah, que vous connaissez peut-être pas, mais peut-être que vous avez déjà vu dans certaines vidéos de boutique, etc. Ou même des vidéos que j'ai fait en mode créatif. Elle joue souvent avec moi et elle joue avec moi aussi à ce jeu. Donc il y a peut-être quelques potes à moi qui vont jouer avec moi prochainement aussi. Donc si vous voulez jouer à Rocket League, je peux jouer avec vous, parce que même si vous jouez sur console, vous pouvez jouer avec moi. Donc voilà, si vous voulez jouer, bah c'est le même pseudo que ma chaîne YouTube, pratiquement. Enfin, même pseudo que mon Epic Game, en fait, parce que c'est le relais avec Epic Game. Ce qui est juste marqué juste en bas, de toute façon, j'ai la gameuse, voilà, vous savez. YT, écrit tout pareil, majuscule, etc. Vous écrivez ça, et puis vous me dites dans le commentaire si vous voulez que je vous ajoute. Et vous pouvez jouer avec moi si vous le souhaitez. Voilà. Sur ce, je vous laisse pour la suite. À tout à l'heure. Ok les potes, je viens du coup, comme je vous dis tout à l'heure, fini les défis et on va se connecter sur Battle Royale, voir les récompenses qui me restent à débloquer. Je vous ai déjà montré deux des récompenses que j'ai débloquées tout à l'heure. Et du coup, voilà les dernières récompenses. Donc, je débloque la petite musique. Plutôt sympathique. Ensuite, nous avons la petite émoticône qu'on débloque. Et la voiture. Qui est plutôt très sympathique. D'ailleurs, on va faire obtenir. Du coup, on va regarder ensemble dans le salon, dans le casier, les potes. Alors, déjà, premièrement. Pas mal la musique. Pas si vous entendez bien les potes. Et du coup, on va regarder ensemble pour l'émoticône, vous l'avez vu tout à l'heure. Voilà, c'est petit émoticône qui fait plaisir. Ma favori d'ailleurs. Ensuite, on a également la voiture qui a plusieurs styles. Voilà, vous avez en couleur bleue et en couleur jaune. Voilà. Voilà la petite récompense qui reste du coup. Pour ceux qui veulent voir à quoi ressemblent les récompenses. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous validez ou pas? Moi je trouve voilà, que c'est plutôt sympathique à part des pigades de mettre des trucs gratuits par rapport à Rocket League. Moi je sais finir les filles. Donc à vous de jouer les potes. Si vous voulez jouer avec moi, je vous rappelle que mon pseudo, et vous l'avez déjà vu, d'accord? Donc je mets en favori ceci. Hop. Mon pseudo il est juste en haut là. Mon âme il est en bleu, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Ça c'est un bug d'affichage, c'est un peu chiant. Attendez, je change de bonhomme, hop, je remets. Voilà, c'est un petit bug d'affichage, c'est un peu chiant. Du coup, les petits potes, j'ai pas beaucoup joué à Battle Royale pour une fois. Après, j'ai même pas fini mes défis quotidiens. J'ai vraiment rushé beaucoup de Rocket League. De toute façon, demain, dans la journée, je serai arrivé le lendemain. Donc en vrai, ça va. Du coup, les petits potes, n'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit abonnement. Et dites-moi en commentaire si vous voulez jouer avec moi. C'est le moment, je peux jouer avec vous cette semaine. Avant jeudi, parce qu'après, bah, j'ai les défis de semaine 6, du coup, je serai très occupé. Mais si vous voulez jouer demain, qui est du coup mercredi, on est mercredi à l'heure où je vous parle. Si vous voulez jouer mercredi, je suis là. Et je serai là sur le week-end peut-être. Si je pense que j'ai le temps. De toute façon, les défis sont disponibles le 12 octobre, je crois. Donc voilà, si vous voulez vraiment jouer et faire les défis pour avoir votre récompense sur Fortnite, c'est le moment, les potes. Sur ce, eh bien, je vous laisse sur cette fin de vidéo. J'espère que même que vous avez, ça vous a plu. Et puis, si vous voulez que je fasse des petits gameplays sur ce jeu, je vais essayer d'en faire quelques-uns. Et puis voilà. On se dit à la prochaine. Bye bye!